Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans un lieu magnifique, dans un établissement de rêve à Aubernais. On vous servira des produits issus des fermes locales et surtout de l'agriculture raisonnée. Je vais tenter de tout goûter pour vous. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'une surprise vous attend. C'est un clin d'œil rien que pour les téléspectateurs d'Alsace 20. Mon guide du jour sera Maxime Vuchet. Salut Maxime. Salut Nico. Dis-moi où on se trouve. Bon, on se trouve dans la salle Tommy, à l'hôtel du parc, la nouvelle salle de restaurant, la nouvelle salle de petit déjeuner également. On a construit une cuisine ouverte, une cuisine spectacle pour nos clients. D'accord. Maxime, la cuisine spectacle, c'est quoi? Eh ben, regarde derrière toi, c'est ça la cuisine spectacle. Tous nos cuisiniers sont là. Moi, la première fois où je suis venu dans cette salle, ce qui m'a étonné, c'est que j'avais cette folle impression de ne pas me retrouver en France, tout en ayant des produits, bah, bien sûr, alsaciens, même des produits anciens, retravaillés. Et ce qui m'a séduit aussi ici, c'est non seulement Tommy, mais d'autres artistes alsaciens. Forcément, on les met en avant. On a également Spindler, qu'on a mentionné. On a Ruhlmann avec nos vitraux, un artiste verrier du nord de l'Alsace qui a réalisé pour nous des vitraux sur le thème de la bière et de l'Alsace. Maxime, on est dimanche matin. J'ai une grosse envie de petit déjeuner. Mon amoureuse dort encore, téléfoot est vers 11h, voilà, il est 7h. Tu viens me voir et puis on déjeune ensemble, on a un petit déjeuner assez copieux. Je te l'ai dit, on a une cuisine live, on fait des œufs, on a également beaucoup de produits locaux. Je pense que tu trouves ton bonheur. On va en montrer quelques-uns pour nos téléspectateurs, ce qui est absolument important. Alors j'ai un ami qui fait des confitures exceptionnelles, il s'appelle Falsch et la Lingolsheim. Également, je mentionne l'apiculteur Heidmann qui est à Nordheim, de la ferme du Stephensberg. C'est ouvert tous les jours, de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert tous les jours, de 7h pour les lève-tôt. Et pour ceux qui aiment faire la grasse matinée, on est ouvert jusqu'à 10h. D'accord. Et combien ça me coûte? 21€ pour les adultes, 10€ pour les enfants. Alain, je tenais à te remercier vivement d'être venu soutenir un si beau projet en Alsace. Tu représentes et présides depuis 1999 Château et Hôtel Collection, une marque indépendante. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de regrouper des individus différents qui sont des aubergistes et des hôteliers exprimant la notion de terroir. Et ce que je veux, c'est qu'on ne voyage pas en France comme on voyage ailleurs, et que chacun doit préserver et cultiver sa différence. Et nous, l'idée, c'est de les aider. Et la différence de Château, Hôtel et Collection et Relais Château, par exemple? Mais nous ne sommes exclusivement franco-européens, européens du Sud. Relais Château, il n'y a que 120 maisons en France, et ils sont beaucoup plus internationaux. Et on va dire, nous, on est plutôt dans le cœur de métier qui fédère davantage la classe affaires. Ils sont en première classe, mais aujourd'hui, qui voyage en première classe? Oui, c'est vrai. C'est ça la vraie question. Est-ce que tu peux me confirmer, et surtout aux téléspectateurs, que l'Alsace est le pays de la gastronomie mondiale? Oui, la réponse est oui, mais vous n'êtes pas le centre du monde, parce que les Catalans, ils pensent la même chose. Ouais. Les Parisiens aussi, bien évidemment. Tout le monde, c'est l'espèce de carré de clocher, mais non, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas les seuls. J'ai réussi quand même à lui faire dire. Sur ces belles paroles, n'oubliez pas de m'envoyer vos bons plans, vos coups de cœur sur mon adresse email. Et il me semble, Alain, que tu connais le mot de la fin pour nos téléspectateurs. Et surtout, ne soyez pas sages.